dessiner un produit chez Itiwit, c'est tout d'abord dessiner une expérience. Pour cela, on a travaillé en collaboration avec le chef de produit et l'ingénieur pour pouvoir trouver les caractéristiques qui rendront cette planche stable et performante. Et du coup, tu as un enchaînement quoi, PVC, sangle ? Ouais, là, tu as un triple couche sur l'avant pour pouvoir avoir un truc plus rigide sur le nose. Ouais. Et la ligne blanche de l'outline qui vient souligner toute la forme de la planche qui prend le mesh. On a travaillé un avant hydrodynamique, profilé, pour pouvoir aller plus vite, mais un arrière très large qui lui permette d'être stable et rendre accessible des randonnées sur l'eau. Ici, on est à 15. Donc tu penses que si on passe probablement à 12 ou... Tu peux réduire de au moins 20-30%. Donc le chef de produit souhaitait avoir des planches compactes. Donc avec le designer, nous avons étudié quelles étaient l'ensemble des solutions qui se portaient à nous, et notamment est venue la solution du gonflable par l'intermédiaire d'une nouvelle matière qui s'appelle le drop stitch. Donc le drop stitch, c'est une matière constituée à base de textile et de PVC qui permet, une fois gonflé, d'être extrêmement rigide, notamment par l'intermédiaire de milliers de filaments qui constituent l'intégralité de la planche. On a vraiment une augmentation de la turbulence qui est générée par l'aspect de l'étrave. On a fait passer de manière numérique les flux générés autour de la planche et ainsi calculer les efforts de traînée et donc les turbulences générées par la planche. Donc ces turbulences sont générées par plusieurs facteurs qu'on a pu optimiser, comme l'étrave. Par exemple, l'étrave de la planche est très importante dans la qualité de son flux, de par sa forme, de par sa hauteur, mais également l'arrière de la planche, où on a pu régler au mieux sa largeur pour minimiser l'effort que devra fournir l'utilisateur dans la pratique. Pour finaliser les lignes sur le produit, on a très vite dû passer à échelle 1. Parce que dessiner un produit de quasiment 4 mètres de long sur un ordinateur, c'est quasiment impossible. On a la mer qui est à 20 mètres d'ici. On fait des itérations entre des idées, des concepts qu'on bidouille, qu'on bricole sur notre produit et qu'on va directement tester. Donc là, en fait, il est bien bloqué. Ouais. Ça, c'est top, ça. Ok. Ouais, peut-être qu'il va falloir qu'on bouge un peu ce passant-là. Je trouve qu'il est un peu trop. On a travaillé l'accessoirisation, le produit, le concept autour de l'expérience vécue sur le produit. Comment est-ce qu'on vient emporter des affaires? Comment est-ce qu'on vient interagir avec la planche? Le rôle du designer, c'est ça. C'est d'imaginer des expériences entre un homme et un produit. C'est un vrai bonheur de partir de la feuille blanche, d'aboutir à un produit et en plus de prendre un plaisir incroyable sur l'eau avec et d'espérer, j'espère bien sûr, que nos utilisateurs prendront le même plaisir que nous sur l'eau avec cette planche.